800 patineurs venus de 15 pays du monde entier. 3 jours de compétition sur 3 pistes différentes. Bienvenue dans le Sud-Ouest à l'occasion de l'édition 2010 du Trophée des 3 pistes. Pour la 24e année, les patineurs de tous les âges et de tous les niveaux s'étaient donné rendez-vous lors du week-end de Pâques. Une compétition hors normes, hors championnat, où les poussins côtoient les élites et qu'aucun patineur ne voudrait rater. C'est un moment qu'on prépare, un petit peu comme les championnats de France. Les 3 pistes font vraiment partie des objectifs. Et on voit qu'encore cette année, il y a de nombreux étrangers qui viennent de très loin. Des Américains, des Colombiens, de nombreux Espagnols qui font des grands voyages pour venir. Donc rien que ça démontre l'importance de l'événement. Et puis bon, y a quand même une histoire aussi psychologique. On veut mettre les choses au point dès le début de saison, montrer qui est là, qui n'est pas là. On essaie de se jauger les uns par rapport aux autres, quelque part un peu de s'impressionner. Et pour s'impressionner, les patineurs disposent de 3 jours et de 3 terrains de jeu. Les pistes de Pibrac le premier jour, Valence d'Agen le second et Gujan-Mestras pour terminer. Des pistes aux caractéristiques différentes qui nécessitent de grandes qualités d'adaptation de la part des participants. À Pibrac, on a une piste qui est inclinée, c'est-à-dire comme sur les vélos, une inclinaison qui est régulière du bas de la piste vers le haut dans les virages. Et à Valence et à Gujan, on a une piste qui est incurvée, c'est-à-dire on a comme un tube à l'extérieur de la piste qui nous permet, quand la force centrifuge nous pousse vers l'extérieur, d'être plaqué dans ce tube et donc de garder de l'adhérence. Donc c'est des pistes sur lesquelles on peut aller très vite. Après une première journée épargnée par la pluie à Pibrac, les patineurs ont dû délaisser la piste de Valence d'Agen au profit d'un circuit routier le second jour, pour cause de météo pluvieuse et de manque d'adhérence. Pas de quoi inquiéter les favoris pour autant. Chez les élites femmes, la colombienne Cecilia Baena abordait la dernière journée en leader incontestable, avec 3 victoires en 3 courses, bien aidée par le travail de ses coéquipières. Nous nous entendons très bien, nous courons toujours en tête en essayant de mener le peloton pour éviter les chutes parce que c'est un sport avec beaucoup de contacts. Chez les hommes, c'est également un multiple champion du monde qui maîtrisait les débats, le français Yann Guyader. Avec 3 victoires en 3 courses, il devançait un autre français, Alexis Contin, de retour des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver. Le roller n'étant pas discipline olympique, certains patineurs choisissent en effet, comme lui, de passer à la glace. Une transition réussie puisqu'il termine 4e pour sa première Olympiade, tout en restant très proche de Yann Guyader en roller. C'est l'un des meilleurs patineurs au monde, donc c'est normal qu'il domine ces 3 pistes et voilà, je suis content d'être juste derrière. Je retrouve mes automatismes et les petits réflexes de placement de peloton et tout, ça revient assez facilement. Donc ça s'est plutôt bien placé pour moi. La dernière journée lui sera encore plus favorable. Au départ de la course du matin, si ce sont les Power Slide qui prennent la tête, Alexis Contin reste dans leur sillage. Après quelques tentatives de différents patineurs, dont Julien Despaux, Yann Guyader s'élance pour le sprint final, mais devra s'incliner face à un Alexis Contin en grande forme. J'avais décidé de partir de déclencher mon sprint à 2 tours. Malheureusement, je me suis fait un peu accrocher, justement en essayant de passer, frayant un passage au milieu de tous ces Power Slide. Et finalement ça a bien marché, je suis 3-1 tour de l'arrivée, j'arrive à me faufiler et gagner dans une arène droite, donc c'est toujours sympa de gagner ici. Ouais, il m'a manqué, je pense, un petit peu de jus sur la fin, j'étais un petit peu court sur les derniers 100 mètres. C'est peut-être venu aussi du fait que je suis parti un peu tôt et sur cette piste-là, l'aspiration joue énormément. Donc voilà, j'essaierai de ne pas refaire la même erreur sur la deuxième course. Pas de surprise chez les élites femmes. La colombienne Cecilia Baena s'impose facilement dans les 2 courses de la journée, malgré de nombreuses attaques, notamment de la française Laetitia Le Bihan. Ça a rendu la course plus disputée, mais nous avons fait un bon travail avec l'équipe Power Slide. Nous faisons 1, 2 et 3 et remportons le trophée des 3 pistes. Dans la dernière course élite homme, les frères Despaux occupent un long moment la tête. C'est à 5 tours de l'arrivée que les choses s'animent, chacun essayant de se positionner au mieux pour le sprint final. Un sprint que Yann Guyader et Alexis Contin déclenchent à 2 tours de l'arrivée. Seuls en tête, ils sont au contact dans le dernier virage. Légèrement déséquilibré, Yann Guyader est ralenti. Julien Despaux, à l'affût en 3e position, en profite pour le passer dans la dernière ligne droite. Alexis Contin s'impose à l'arrivée devant Julien Despaux et Yann Guyader. J'avais décidé de passer un peu plus tôt sur ce 10 000 pour voir un peu ce que j'avais dans les jambes. Je suis passé un peu après 2 tours et ça s'est bien passé, j'ai envoyé 2 devant. Yann a essayé de me passer dans le virage sans succès. Au final, Cecilia Baena remporte pour la seconde année consécutive le trophée des 3 pistes devant Sabine Berg et Marike Thum. Chez les hommes, Yann Guyader remporte lui son 4e trophée devant Alexis Contin et Julien Despaux.